Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Forum UberZone. Aujourd'hui, je suis dans la région de Perpignan, plus précisément à Canet-en-Roussillon. Je vais aller à la rencontre de deux membres du Forum UberZone que j'ai rencontrés sur le live YouTube UberZone, dont un en particulier qui m'a demandé de venir lui installer une dashcam dans son véhicule et le deuxième qui, lui, est en phase encore de création et qui va bientôt démarrer son activité. Alors, je vous retrouve tout de suite avec Talal et Nabil. Bon, les amis, Nabil et Talal, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu de la caméra. Bon, moi, c'est Nabil, donc j'habite à Perpignan. Ouais. Et là, j'ai commencé en fait ce métier en fait en tant que VTC. Ouais. Je viens de commencer le 27 mars avec une Toyota Corolla. Ouais. D'ailleurs, je précise le montage de la dashcam, ça a été fait par Hakim, ouais. Qui a fait le déplacement Paris-Perpignan. Pas spécialement pour la dashcam, mais voilà. Ah, j'ai de la famille ici. Donc il a de la famille ici, et franchement d'ailleurs je le remercie infiniment. Et c'est pour ça que là on est avec Talal aussi. Alias colonel Kadhafi. Colonel Kadhafi sur Kadhafi. YouTube. Ouais. Colonel Alta sur UberZone. UberZone, ouais, c'est ça. Okay. Futur VTC, tu vas attaquer quand en fait? Le mois prochain normalement. Tu vas te préparer à la saison en fait. C'est ça. Je voulais pas manquer la saison, forcément c'est la cote. C'est un métier en fait où déjà on a une certaine liberté. Je travaille pour moi, pour mon entreprise. Donc la liberté, c'est que j'ai envie de m'arrêter quand je veux. Je commence à travailler quand je veux. Moi, je suis conducteur de train. Ouais. Donc voilà, dans le transport de marchandises, hein, je suis pas à la SNCF, qui font eux exclusivement du voyageur. Ouais. Donc voilà, moi je suis père de 3 enfants, j'ai ma femme qui ne travaille pas. J'ai de compte à rendre à personne. Donc pour moi c'est pareil, complément de revenus. Transporter aussi les gens, discuter avec les clients, avec ceux qui veulent discuter. Après, il y en a qui préfèrent garder le silence. Ouais. C'est normal. C'est un bon choix stratégique parce que voilà, il faut entre guillemets combler les trous. Ça permet de connaître en fait. Voilà, découvrir la région où on habite. Bah en fait, moi, je suis flexible par rapport à mes horaires de travail. C'est-à-dire que moi, je peux travailler comme ce matin. Je me suis levé à 2h du matin. J'ai déjà une activité dans la sécurité incendie. D'accord. Du coup, à temps plein. Et ça, en fait, je le fais en complément. Après, l'été, peut-être, je vais réduire le métier de la sécurité pour passer plus de temps en tant que VTC pour faire la saison. Je découche au moins une fois par semaine à l'hôtel. Du coup, je sais que pendant ce créneau-là, forcément, je peux pas faire VTC. Ouais. Maintenant, j'ai du temps de repos, du temps de récupérateur, on va dire. Quand on travaille beaucoup la nuit et tout ça, ouais. On a un peu plus de jours de repos pour récupérer. Alors, mon activité principale, heureusement que je travaille que 3 jours par semaine. Du coup, il me reste 4 jours. Des fois, je travaille juste localement aussi, c'est-à-dire que je vais travailler à Perpignan, juste je vais former les trains. Ouais. À Cerbère aussi, c'est pareil, à la frontière espagnole, je vais juste former les trains. Donc, ouais. J'en ai des fois pour 4, 5, 6 heures de travail. Donc, je sais qu'après, je rentre chez moi, voilà. J'embrasse mes enfants et je repars dans la foulée en VTC pendant peut-être 4, 5, 6 heures. Voilà. Après, je compte quand même garder un rythme de vie. Mais j'ai réservé un jour pour ma famille. Sachant que même les autres jours, en fait, quand je travaille en VTC, j'ai assez de temps, vu que je travaille aussi de chez moi. Donc, je suis avec ma famille, mes enfants. Donc, j'ai une totale liberté de sortir et de rentrer, de profiter aussi de la famille. Voilà, ça, c'est très important. Je pense que stratégiquement, il faut analyser la région. Pour moi, c'est comme Cannes et compagnie. Pour moi, c'est la côte. Moi, je trouve que ça, j'ai très, très bien commencé. C'est un bon, très bon début. Je suis très content. Donc voilà, ici à Perpignan, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Là, on sait que la saison estivale, il y a du travail. Maintenant, on sait que l'hiver, voilà, il faut dire les choses, c'est mort de chez mort. Ah oui, parce que les restaurants, ils travaillent 6 mois dans l'année, des fois 4, 5, 6 mois dans l'année. Ils ferment le reste de l'année, ils font leurs chiffres pendant la saison. Uber, ça a commencé à peu près il y a 2 ans, par exemple, avec l'application. Ouais, c'est ça, en 2022. Okay. Ouais. Bolt aussi, mais ça ne marche pas très, très bien. Les autres applications, en fait, Itch, ça n'existe pas. Installé, ouais. Donc, toujours pas installé. C'est vrai que dès que j'ai eu cette idée-là, en fait,
ça a commencé au mois d'août. J'ai commencé à faire des recherches. Voilà. Et je suis tombé sur Hakim, que je ne savais même pas qu'il était de Perpignan aussi. En fait, que ses parents habitent à Perpignan, parce que lui, c'est un Varois, un vrai Varois. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut à Paris, en Ile-de-France. Les donc, gens le savent. Hein, les gens le savent. Mais donc, grâce à Hakim, donc, en regardant ses lives, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours à un débutant d'aller sur les lives de Hakim, sur le forum Uberzone aussi, d'apprendre, écouter les autres aussi chauffeurs, les anciens. Et c'est une belle expérience. La tarification d'Uber, concernant la commission, en fait, ici, elle est à 10%. Ça a été annoncé, donc c'est provisoire. On ne sait pas combien ça va durer. Voilà. Peut-être des semaines, peut-être des mois. Ça risque de changer rapidement. Mais c'est déjà pas mal. 10%, je trouve que c'est très intéressant. Malheureusement, je n'ai pas assez de recul. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai commencé, le 27 mars 2024, on peut tabler, en fait, sans trop fatiguer. On peut travailler, en fait, on peut tabler sur un chiffre d'affaires de entre 800 et 1000 euros par semaine. Le tarif kilométrique ici, en fait, avec la petite expérience que j'ai sur les deux, trois dernières semaines où j'ai commencé, on est à peu près à 2 euros le kilomètre, minimum. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3, 4 euros sur les petites courses. Des fois, elles sont encore plus importantes que sur les grandes courses. Ouais. Voilà. Une petite course de 10 euros ici, 10 balles. C'est beau. Des fois, elle est même encore meilleure que celle de 30 ou 40 euros. Parce que sur une course de 10 balles, 10 euros en fait, on est à 2-3 km. Ouais. Les petites courses sont mieux payées que les grandes courses. Exactement, voilà, que après, tu peux faire en 5-10 minutes. Ouais. Et les petites courses, de toute façon, c'est ceux qui payent le plus, je pense. Est-ce que tu as déjà fait des gros trajets, type, je sais pas, je dirais 80 à 100 km? Non, c'est pas quoi encore. Ton trajet maximum? Le trajet maximum, en fait, c'était 40 km, c'était 80 euros. Alors justement, par rapport à ça, les grands trajets, ici dans cette région, est-ce que ne se pose pas le problème des retours à vide, de par l'éloignement entre les communes, quoi? Le coût de revient kilométrique, par exemple, en fait, il est compensé, même quand on revient vide, à 2 euros le kilomètre, ça vaut le coup. Ça veut dire que si on a une course sur 20 km, sur une course 20 km, par exemple, elle est à 40 euros. Donc, il y a de très fortes chances de revenir à vide. Ouais, donc, surtout dans cette saison-là. Voilà, exactement. Donc, le coût kilométrique à 2 euros le kilomètre, il est intéressant, en fait. Pour compenser. Voilà, pour compenser. Même, de toute façon, à un moment ou à un autre, en basse saison, on est obligé de revenir à vide. Donc on n'a pas le choix. Peut-être que l'été, ça change. On n'a pas encore fait la saison. J'ai eu des clients parisiens, en fait, et c'est vrai que qui nous posent la question. Ils nous disent alors comment ça marche ici. En fait, c'est vrai. Ici, ça a commencé il y a 2 ans. Et quand on parle de chiffres, allez, les chiffres ici, on est à peu près à 150 euros par exemple par jour. Okay. Donc il y en a, je sais, qui vont dire, ouais, mais combien d'heures, combien de ci, combien de saison, ça. Hors saison. Voilà, hors saison. C'est pour ça que le travail aussi de nuit ici, c'est fluide, mais c'est totalement fluide. Vous avez même une course de 10 km, par exemple, Perpignan-Canet, on a 10 km, on les fait en 8 minutes. C'est magnifique. Après, il faut compter le retour à vide, mais ouais, c'est clair que c'est rapide quand même. Hein. Ouais, donc, je pense que l'été, il y aura moins de retour à vide. Ouais. Il y aura moins de retour à vide, mais il y aura plus de circulation. Et c'est pour ça qu'ici, les petites courses, même en plein été, elles sont plus intéressantes que les grandes courses. Parce qu'une petite course qui dure 5-10 minutes, bah, tu peux en faire par exemple 40 ou 50 courses, ça te fait 500 euros. Après, voilà, c'est une stratégie en fait à regarder. Voilà. Donc, et à réfléchir. Un peu de recul, voilà. Un peu d'expérience pour commencer à comprendre un peu comment ça marche. Par rapport au calcul de taux horaire, ça peut être des fois très intéressant. Des fois, on peut aller jusqu'à 40 euros l'heure. Ouais. Ok. L'été, ça doit marcher Bolt en vrai, tu vois. Uber ici, ils ont le monopole. Ouais, ça c'est le moment, à Perpignan, pour le moment, ils ont le monopole. Et les tarifs de Uber, ils sont quand même plus importants que les tarifs de Bolt. Voilà, donc sur une course par exemple ici de 50 euros avec Uber, bah Bolt on va la toucher à 40, voire 38 euros. Mais par exemple entre minuit, des fois jusqu'à 4 heures du matin, on ne fait aucune course. Ah ouais. Parce qu'on travaille avec les clients, en fait, les établissements de nuit. Et c'est qu'à partir de 4 heures du matin où ça commence à bouger. Ça veut dire de 4 heures à 6 heures du matin, on peut faire par exemple 200 euros. Et c'est pour ça qu'ici, les chauffeurs, on est à peu près une cinquantaine. La plupart, la majorité, ne travaillent qu'avec Uber.
ne veulent même pas se connecter avec Bolt. Donc si Bolt m'entende, ils ont qu'à réévaluer un peu leur prix. Voilà. Donc c'est très variable. On peut faire 30-40 euros l'heure, comme on peut faire en fait 0 euros. La formation a débuté en septembre, jusqu'à à peu près octobre. Et après, ça y est, je me suis lancé en fait pour les dates d'examen avec la Chambre des métiers. Le jour de l'examen pratique, le jour même, j'ai eu la réponse. Et le jour même, j'ai eu l'attestation de réussite. D'accord. Alors que dans certains endroits, certaines villes de France, ça peut, il y en a que je connais par connaissance, ils ont attendu 2-3 mois pour avoir juste l'attestation. Toi, c'était voilà. Le lendemain, le jour même. Non, c'était le jour même. Et ensuite, j'étais même sur le trajet pour rentrer chez moi, tellement ça a été rapide. Incroyable. Voilà. Et du coup, après, j'ai attaqué la procédure pour avoir la carte VTC, où ça a mis à peu près 2 semaines, une quinzaine de jours. Rien à voir avec le département d'Île-de-France. Avec les délais que vous avez en fait en Île-de-France, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Le registre VTC, ça a duré 2 semaines aussi. 2-3 semaines maximum. Moi, j'ai reçu ma carte pro. Moi, ça a été plus rapide en termes de théorie pratique. Je les ai enchaînés. Vraiment, je les ai enchaînés. Une fois que j'ai validé la théorie, j'ai enchaîné la pratique. Par contre, moi, j'ai pas eu le résultat le jour même. D'accord. Moi, j'ai eu les résultats, je crois, une dizaine de jours après. Oui, ça va, oui. Ça reste des délais très raisonnables. Et pour la carte VTC ? Et la carte VTC, j'ai mis à peu près 3 semaines à moins. Entre le moment où j'ai envoyé tous les documents et que c'est passé en mode... instruction. En instruction, exactement. Ouais. Le temps d'instruction a duré 3 semaines. J'ai mis les délais exacts sur le forum Uberzone. Ouais, t'as fait un super retour d'expérience, toi, sur ton Je te remercie. Quoi. Après, je pense que on nous apporte beaucoup d'aide aussi sur le forum, donc je pense que le retour, il est normal. Ouais, il est normal. C'est bien ça. Là, je suis en train de réunir l'argent pour acheter le véhicule, d'accord, qui est une Nissan Leaf 2. Voilà, j'ai décidé que ce sera cette voiture. T'es à fond sur cette voiture, en fait. J'ai réuni tous les éléments autour de moi qui me fait dire que c'est cette voiture-là. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'ai un petit logement en plein pied. Ouais. J'ai de quoi charger, c'est-à-dire en prise électrique à la maison. Je me suis renseigné sur le forum Uberzone par rapport à la durée de recharge, par rapport aux collègues qui ont déjà des Nissan Leaf 2. Je me suis renseigné sur Internet sur ce type de véhicule parce que c'est... pour moi, l'un des meilleurs véhicules en termes de rapport qualité-prix. On trouve des rapport Nissan... qualité-prix et rentabilité. Et rentabilité, pourquoi ? Parce que c'est un véhicule qui tourne aux alentours de 15 000 euros. Ouais. 15 000 euros pour de la recharge électrique, pour 300 km environ. On peut faire 350 en ville comme on peut faire 200 et des brouettes. Mais c'est en moyenne, allez, on va dire 280, même 250. Allez, on va dire 250. Ouais. Mais les 250 km, j'ai analysé sur ma région que le maximum où je peux aller, c'est du 20 km, grand max. Ça va être surtout des petites courses, comme il a dit Nabil. Après, ça va être du canet, ça va être des 10 km, 15 km. Ça va être des courses comme ça qui sont intéressantes. Maintenant, si on part de cette base-là, de ce temps de recharge, du prix du véhicule, c'est-à-dire que c'est pas une Tesla à 40 000. Oui, voilà. Bien évidemment, la Tesla à 40 000, c'est le must. C'est le must, on est d'accord. Mais c'est pas sur le même investissement. Mais c'est pas le même investissement. Entre une personne qui va conduire un véhicule thermique, on va dire qu'il consomme, moi, je sais pas, 7 litres au 100. Ouais. Et quelqu'un qui roule en véhicule électrique, pour moi, celui qui va rouler en thermique, en termes de taux horaire, en termes de temps de travail effectif, il va devoir faire plus de temps de travail effectif que quelqu'un qui roule en électrique. Oui. Parce que celui qui roule en électrique, il aura un bénéfice plus important sur son chiffre d'affaires. Ouais. Il faut savoir que ici, on est en basse saison. Ouais. 300 km, ça ne va pas tout suffire pour travailler un soir, par exemple, de samedi. J'ai pensé, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit quoi ? Très important. C'est une très bonne question. Ouais, j'ai réfléchi à ça. Attention. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit, dans ma démarche, en période hivernale, je sais que ça va être très creux. Les 250, même pas tu les fais. Faut être honnête, oui. Ça va être très mais là, difficile. En fait, à partir de mars-avril, oui, c'est faisable. Oui, à partir de mars-avril. Mais oui. Je te garantis, enfin moi, c'est les retours que j'ai, en tout cas des collègues à qui j'ai parlé, et je sais que ceux qui sont sur Perpignan, en tout cas dans la côte, l'hiver, c'est vrai, il n'y a pas un chat. Moi, quand je vais au travail, je fais 50 km pour aller à Cerbère, parce que je travaille à Cerbère, il n'y a personne sur les routes. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit, en hiver, je le recharge à la maison, comme ça, je suis en mode économie, je fais mes kilomètres. En moyenne saison, j'essaie de jauger, voir si j'ai besoin de recharger plus ou pas, si je fais deux sessions. C'est-à-dire que je me suis déjà
J'ai déjà pensé à faire aménager mes horaires, ouais, pour faire un début de partie, c'est-à-dire entre midi et 16h, faire, ouais, une recharge et enchaîner la nuit. Ça, d'accord, c'était mon idée. Maintenant, en haute saison, j'ai pensé, je me suis dit, vu qu'on est, on génère beaucoup de chiffre d'affaires, pourquoi ne pas aller charger directement dans des prix chez Ademo en charge rapide à 30 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, non, mais là, je te détaillais. Ça existe, en fait. Bien, oui, sûr. Tu as une recharge rapide à 30, ça prend quoi, 40 minutes. Tu as ta charge 20-80%. Tu as une prise chez Ademo. J'ai déjà vérifié la prise chez Ademo à laquelle je pourrais me recharger. Ouais. Dans les hautes saisons, ça ne me dérange pas. Je m'arrête, 40 minutes, ça, pointe, par même exemple. Une heure. Oui, même une heure, je m'arrête. Oui. Je charge mon véhicule, je sais que j'en aurai. Du repas, par exemple. Voilà, alors du repas. Et la recharge rapide, elle coûte combien, la recharge rapide? Alors, il faut la faire rentrer dans les frais, en fait. Oui, forcément. Et oui, la recharge rapide, c'est 2,5 fois le prix de la charge à la maison. Moi, je suis à 18 centimes le kilowattheure à la maison. La charge rapide dans les prix chez Ademo à Perpignan, c'est 40 centimes le kilowattheure. Du coup, je suis à 2,5, on va dire 2,5. Moi, je me dis, si je suis en plein été, il y a de la demande et que j'ai besoin d'aller charger, ben c'est bénef. Il y a combien de charges rapides ici à Perpignan? Alors, les prix chez Ademo, il y en a moins. C'est pour ça que les Nissan Leaf, ils sont à ce prix-là. Combien à peu près? Tu étais renseigné? Ton business plan. Je ne suis pas renseigné exactement. Imagine-toi s'il y en a 10. Il faut savoir qu'ici, sur Argelès, par exemple, comme je te disais, ouais, c'est un village, en fait, Argelès, qui détient le plus grand nombre de campings en Europe. Ouais. OK. Et il tourne à peu près à 10 000 habitants à l'année. Ouais. Et l'été, ça monte à 150 000 personnes. Wow. Imagine-toi, tous ces gens-là, ils ont une partie, hein, on va dire 1%, ils ont des voitures électriques comme toi. Parce que l'été, c'est à des prises rares. Il n'y en a pas beaucoup. Et qu'il y a du monde. Et qu'il y a du monde, tu restes d'être vite, tu risques de louper la saison. Voilà. Alors moi, j'ai choisi la 16 ULIS. J'ai beaucoup réfléchi entre la 16 ULIR et la 16 ULIS. Mais je préfère la 16 ULIS pour le moment. Je vais me donner une année pour voir vraiment en termes de chiffre d'affaires ce que je peux me dégager, parce que encore une fois, je suis en complément de revenu, donc forcément, je serai pas à plein temps. On est à peu près dans la même configuration. Ouais. C'est que moi, vu que j'ai déjà un travail à plein temps, ouais, je cotise déjà toutes les cotisations obligatoires, en fait, voilà, à travers mon employeur. Donc, j'ai pas trouvé nécessaire, en fait, d'ouvrir un autre statut pour faire une deuxième cotisation qui ne servira à rien. Donc, j'ai fait le choix de la SASU. Et ça aussi, en fait, en regardant tes lives, les forums Uberzone, les chauffeurs expérimentés, en fait. Ouais, après, t'as bien renseigné, quoi. Voilà, je me suis bien renseigné, en fait, avant de passer à l'acte. Pourquoi la SASU Alies? Parce que j'ai déjà un salaire, je suis déjà salarié, ouais, donc j'ai pas besoin de cotiser, j'ai pas besoin, et en toute sincérité, je compte pas me rémunérer. Je suis passé en SASU, en IS. Par contre, le véhicule est là, il est au début, là, il est en mon nom propre. Ouais. Ok. Et on verra peut-être au bout de 6 mois si peut-être il faut changer ou quoi que ce soit, en fait. Tu l'as mis à ton nom propre et donc tu décides de te reverser les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques, voilà, avec les kilomètres qui sont réalisés ou quoi que ce soit, en fait, voilà. Donc sur le barème kilométrique, on peut bénéficier de ces indemnités kilométriques, voilà, qui sont complètement exonérées de charges. Je compte vraiment. Voilà, développer quelque chose. Pour moi, j'essaye de faire en sorte que ce soit un tremplin pour moi. Pourquoi pas investir et faire quelque chose d'autre dans le futur. Mais dans un premier temps, c'est pas à court terme. Ce que je souhaite, c'est vendre mon véhicule à ma société pour récupérer cet argent, parce que c'est quand même 15 000 euros d'investissement. Voilà, je souhaite les récupérer à titre personnel. Pour moi, la SASU est plus adaptée, parce que quand je me suis renseigné sur l'URL, j'ai vu que quoi qu'il arrive, on paye 3 000 euros à l'année. Ouais. Donc, en vrai, si je me verse rien, je préfère payer 0 que 3 000, forcément. Pareil, l'auto-entreprise, c'est en tout, en prenant les 22% plus les 1 et quelques, ouais, pourcents, c'est 24% du chiffre d'affaires, ouais, sans compter les charges. Pour moi, l'auto-entreprise n'est pas adaptée pour ce métier. C'est un petit département. Perpignan, c'est une petite ville de 120 000 habitants. Ok. Sachant que moi, j'ai commencé même à travailler de chez moi. En fait, bon, la logique dit qu'il faut travailler déjà de la base, retourner à la base. Moi, je suis déjà à la base, ok. Et du coup, je laisse le téléphone connecté et des fois, en fait, ça sonne de chez moi et je pars, en fait, pour une prise en charge. Ok. Ça, c'est la semaine, en fait, la journée. Mais le week-end, par contre, je sors
au centre-ville de Perpignan en fait. Et c'est là où ça commence à tomber en fait. C'est là où Uber, ça, à peu près les horaires, il y a de la demande, voilà. À partir de 22h, 23h, ça peut aller jusqu'à 6h du matin. Ça travaille beaucoup avec les bars, les sorties de clubs. Ouais, donc l'essentiel de la clientèle, c'est ça. L'essentiel de la clientèle, pour le moment ici, c'est ça. C'est les locaux. Parce que là, on n'est pas encore en saison. Ouais. Du coup, c'est que mars, avril. Mais l'été, ça travaille avec, beaucoup avec les touristes. Ici, on est dans une zone touristique où ça travaille vraiment juin, juillet, août, septembre. Et après, le reste de l'année, voilà, ben, on travaille avec les locaux. Et ça a l'air, c'est un bon début. Il a toute sa place pour travailler, soit pour faire un complément, ce que je conseille vivement en tant que VTC ici, c'est en complément en fait. Moi je le conseillerais pareil que Nabil, en complément en tout cas, moi je parle sur ce que je sais, ce que j'ai entendu, et ce que je vois autour de moi. Pour moi, en complément, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Il faut avoir déjà un travail, soit à mi-temps, soit à plein temps, et essayer de se dégager un peu quelques jours dans la semaine, le week-end, l'été, un peu plus de jours quand même dans la semaine pour travailler avec l'événementiel, avec tous les touristes en fait qu'on a ici. C'est compliqué, il faut avoir des courses privées sur le côté, il faut démarcher comme d'habitude des hôtels, des restaurants, mais pour moi, si c'est full application, qu'on a une famille derrière, temps plein, ça risque d'être très compliqué. Et je leur souhaite que du bonheur au futur VTC. Voilà, venant d'un chauffeur VTC novice. Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, à part si on a encore une fois de la clientèle privée. Pour Uberzone, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Énormément de choses en fait, une très belle expérience avec les chauffeurs aussi qui appellent. Je pense que dans tous les cas, pour moi dans n'importe quelle région, c'est bien de commencer en complément, de pas lâcher son travail, de voir comment le travail se déroule, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas. Et parmi de ces expériences aussi, je reviens encore à la dashcam. Donc voilà. Ils vont croire que je l'ai payé pour parler de dashcam. Non, pas du tout. Hakim, ce n'est pas un vendeur de dashcam. Bah oui, en plus. Ouais. Voilà, mais il conseille en fait du bon matos. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'activité, du chiffre qu'on peut se dégager? Est-ce combien on peut se payer, compagnie, la charge des voitures, bref, il faut tout prendre en compte. Une fois qu'on a ces données-là, là on peut se projeter sur du temps plein. Ouais. Une fois qu'on a donné nos cartes, une fois qu'on a un peu trop d'appels, oui j'ai besoin que tu m'emmènes là, j'ai besoin que tu m'emmènes là et que tu vois que ça mord un peu plus, je pense que là, si c'est intéressant, on peut quitter son travail pour faire du temps plein. Je conseille à tous les chauffeurs VTC de s'équiper. Voilà. Et voilà. Donc ça peut aider énormément en cas de problème. Ouais. Et vu que aussi il y a l'option collision ou quoi que ce soit, en fait, on peut toujours. Parce que c'est vrai que les chauffeurs VTC en général, ils ont des très belles voitures. Donc c'est dommage de. Ils sont exposés beaucoup plus au risque. Voilà, et au risque aussi. Intérieur et extérieur. Intérieur et extérieur, avec les accrochages, avec les clients, ça dépend comment ils sont. Voilà, mais quitter son travail en se disant je vais rentrer dans le VTC à Perpignan et je vais me régaler, ça c'est rêvé. Une petite anecdote, la dernière fois, j'allais prendre mon train à la gare. Il m'a monté aussi la dashcam en un temps record, avec un prix magnifique. Magnifique. Que je n'ai pas encore réglé, mais. Voilà. Prépare-moi la facture de la prestation. Il y avait la station de taxi, il y avait un seul taxi. Ce que je dis, c'est vrai. Il y avait un seul taxi et il était couché sur sa banquette en train de dormir. Sincèrement, ça m'a fait de la peine. Là, on pouvait s'arrêter et lui dire ça bosse pas là, ça attend. Ça attend. C'était au mois de janvier. Donc janvier, c'est très creux. Ouais. Il était tout seul, il était 23h, donc c'était pas 6h du matin ou 4h. Ouais. Il était 23h, il était couché dans sa banquette en train de dormir et attendre. Une course. Ouais. Une course. Ouais. Merci beaucoup, Nabil. Merci, Hakim. J'aimerais remercier le Forum Uberzone. Ouais. AZF. Ouais. Aïssam. Aïssam, ouais, sur le live, Calme-toi. Et voilà. Et bah, c'est une belle communauté. Que ce soit Heisenberg, Jérôme, il y en a beaucoup. Merci à vous, les gars, de nous avoir permis de bien comprendre le métier, de bien comprendre les statuts et compagnie. Et, voilà, et après, à nous de compléter avec les informations que vous nous donnez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'étais en compagnie de Nabil et Talal, deux Perpignanais qui débutent dans le VTC. Ils n'ont pas encore toutes les clés ni tous les secrets du métier ici localement. En tout cas, ils ont décidé de le faire en complément et de voir un peu ce que ça pouvait apporter.
le risque est minime par rapport à ce qu'ils ont engagé. Oui. Et voilà, donc je pense que ça aura des résultats. Je reviendrai dans quelques temps pour voir un peu comment ça a évolué. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur le live les lundis soirs et le vendredi soir. Rejoignez les Spartiates, d'accord, du live pour venir justement absorber et écouter vos collègues à travers toute la France. Et n'hésitez pas surtout aussi à rejoindre le forum uberzone.fr, très actif depuis 2014. En attendant, les amis, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt, la zone. Merci.